What's up tout le monde, c'est Captain Buggy, comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la partie 3 de Let's Build, ou construire, idée de construction, peu importe. Aujourd'hui on finit le McDonald's. Fait que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup beaucoup de changements auto. J'ai terminé les parkings. Ça va être juste le truc que je vais mettre autour. La rue va être ici, ça va partir jusqu'à là-bas. Je vais avoir des petits bâtiments dans le milieu ici. Fait que je vais juste vous montrer le contour, ce que j'ai fait. Fait qu'on avait fait ensemble ces parkings là. Ici, j'ai modifié ça ici. J'ai enlevé le truc qui dépassait. Comme ça, on a la commande à l'auto qui va en ligne droite. Puis j'ai mis l'entrée ici. Fait qu'ici, au lieu que ça soit comme cette fenêtre là de 5, cette fenêtre là, puis cette fenêtre là sont de 4 blocs de largeur. Fait qu'ici, ça permet de mettre une porte de 3 pour avoir de l'espace pour l'intérieur. Fait qu'on va s'attaquer à l'intérieur. Je vais juste vous montrer ici. Ici, j'ai fait un très gros parking parce que j'ai l'intention de faire un autre gros bâtiment ici. Je sais pas ça va être quoi. Ça va peut-être être une pharmacie ou peu importe. Je sais pas encore. Fait que c'est ça, fait que là on peut vraiment s'attaquer à l'intérieur parce que l'extérieur est complètement terminé. Fait que je vais juste choisir un plancher que je veux. On va charger ça. Ok, ouais, on a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Bon, je vais revenir quand une partie de ce mur là va être enlevée. Puis que le plancher va être fini, fait que ça sera pas bien long. Ok, bon. J'ai fait le plancher, puis j'ai même fait la première couche de toit. C'était très long, fait que je vous conseille de faire ça avec un ami, ou comme moi, avec une potion de vitesse 2, comme vous voyez ici. Pourquoi j'ai fait ça même? Parce que je veux avoir de la redstone, je veux avoir un courant de redstone qui va faire que les lumières du McDo s'allument et s'éteignent. Fait qu'on va faire ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur la construction de l'intérieur. Fait qu'on va commencer à partir de cette entrée ici. Commencer à construire à partir de cette entrée. On va faire. Ok. Je sais ce qu'on va faire. On va prendre de la laine rouge. On va prendre du. Ouais, dalle de quartz. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une belle entrée de. Du blé? Ouais, why not? Ok, fait qu'on va faire, mettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est un petit peu trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que ça devrait être pas mal à partir de là. On monte ça jusqu'en haut, pour les dalles. Comme ça. Quand on arrive, on a des tables. On va avoir des tables sur le côté ici. 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 On va monter ça comme ça. On va le refermer comme ça ici. Même que je pense que ici, on pourrait avoir un mur. Attendez. Si je pourrais. Je sais pas quoi on va prendre. On va prendre la laine noire, je pense. On va fermer ça comme ça ici. Puis ici. Là. Okay. Puis ici, ça va être là qu'on va activer le courant du McDo. Fait que ce que je vais faire, ça va être des systèmes de torches qui montent. On va juste fermer ça comme celui-ci. Ça me laisse pas beaucoup de place pour la redstone, mais je sais que ça va marcher. Si. Ah! Est-ce que ça vous arrive souvent ça de placer un bloc à mauvaise place? Essayez de le péter au lieu vous faites juste péter un autre bloc. On ferme ça comme ça. Après. Je vais avoir un espace ici.
On va prendre du. On pourrait prendre du shine. On pourrait faire un petit mélange de bois. On va prendre du bois épicéa. Monter ça jusqu'en haut. Creuser ça ici. Si on fait la même affaire, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creuser ça. Recreuser ça. De 2. On va prendre de l'eau. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Non, ça marchera pas. Je m'en rends compte. Excusez-moi. Ça marchera pas. On va prendre du sable. Ici, on va mettre. La plupart du monde vont déjà comprendre ce que je vais vouloir faire. On va aller prendre la canne à sucre. Faire un petit décor. Je peux pas. Ça marche pas. Ok, attendez. On voit que ce gars-là utilise souvent la canne. En fait, je viens de penser à ça, mais ça va être affreux la canne, ça. On va fermer ça. Non. Je viens de penser à ça, j'aime pas l'idée de la canne sec du tout. Qu'on va prendre des feuilles. De... Pas ça du tout, je voulais. Feuille de cheval. Le plus clair possible. Ouais. Comme ça devrait être pas mal. Ensuite, on va prendre des dalles de quartz. On est. Comme ça. Après, on va prendre des panneaux de bois. Juste faire comme si c'était un peu attaché. Ça, comme ça, là. Après, on va mettre des bancs. Ben, des bancs. Prendre des dalles de pierre. Voilà. Ok. Et ici, en arrière, on va mettre des banquettes. Banquettes doubles, je pense. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme baquette. On va prendre du bleu. On pourrait prendre du cyan. Ça pourrait être pas mal du cyan. On va reprendre ces dalles-là, merci. C'est pas ça que je voulais faire. De même, de même, de même, de même. On va mettre dalle. Ça ressemble à peu près à ça. Panneau. Les banquettes devraient ressembler à ça. Non. Comme ça. Ça pourrait être mieux. Ouais, de même. Ça, au moins, on a un milieu ici. Ça. Monter. On va prendre du tapis. On va prendre du tapis noir. On va prendre du fil. Ça tout autour. Voilà. Fou du tapis. C'est pas mal. Ok. Même chose ici. Dalle, dalle, dalle. Nananan. Nananan. Voilà. Avec ça, ça va être des banquettes comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire un espace. On va mettre les maquettes. De même. Juste voir si. Où est-ce que ça va arriver. Ici, on va juste refaire le mur. Ben, refaire. On va mettre le mur au complet.
bouche un peu le trou parce que c'est pas très. Pas très bon, hein, certain. Fait que là, je disais. Là. De même. Puis je peux avoir une banque. Non, ça va être de même. Ça va être bien parfait. Faites bien en masse. Deux manquettes ici. On recouvre les tuyaux. Fait qu'ici c'est pas mal. Ils ont une vue dehors. Celle-là, une petite vue dehors. Ici la même chose. Je vais juste remplir ici. Puis ça a l'air pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, pas mal. On va rajouter la lumière bientôt. C'est à côté là. On va faire la même chose ici. On va faire comme on a fait ici. Prendre ça. Que je regarde le temps que je filme jusqu'à maintenant. Ok, il reste 23 minutes. Ok, parfait. De quoi ça a l'air? C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Là, on a encore beaucoup d'espace, mais vous inquiétez pas, on va bientôt remplir ça. À partir d'ici environ, couper là, ça devrait être cuisine. Je vais à partir couper ici. Cuisine, puis ici je voudrais avoir des toilettes. Fait que comment on va remplir ça ici? Ah putain, je suis comme un peu pogné. Ok. Alors, on va faire. Ça c'est la porte. Fait que mettons. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire un mur là-bas? J'ai utilisé du noir. Hein? Là on va utiliser du béton blanc ici. Fait que mettons à partir de là. À partir d'ici. Faire un mur, je dirais de colique. Attendez, on va checker, faire un mur comme ça. Ici on va ouvrir ça de 1 2 3, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal du tout. Fermer ça. Remplir ça. Donc là par là, ça devrait être les toilettes. Est-ce que je l'ai mis à bonne place? Normalement, je devrais l'avoir mis vis-à-vis là. Ouais. Ah, ok. Ferme ça. Ferme tout ça ici. Donc ici, ça va être les toilettes. Bah, ben, ici. De ce côté-là, plutôt. Les toilettes. Pour hommes et toilettes pour femmes. Évidemment. ça l'a pas mal. Ici, on va juste remplir si je peux ça. Il y en a qui vont trouver que c'est sombre beaucoup. On va mettre de la lumière temporaire. On nous attendait. Voilà. Ça devrait être moins sombre comme ça. Ok. Je veux faire, comme j'ai dit, un système redstone avec des lampes. On va refermer ça. Ok. Avec le mur,
Il va être pas mal. Je sais pas ce que j'allais dire en fait. J'ai starté une phrase puis nope, ça a pas sorti du tout. On va se dépêcher de refermer ça. Faut essayer de perdre le moins de temps possible. J'aimerais ça finir l'intérieur pour cette vidéo. Puis en finir avec le McDo parce que je veux pas en faire 4 épisodes. 3 épisodes, ça me semble déjà pas mal. Déjà que le deuxième épisode, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps avec l'extérieur. Ben, l'extérieur, c'était la finition de l'extérieur, etc. Mais là, je veux vraiment qu'on finisse l'intérieur. Ça a l'air pas mal. On va faire un espace de 1, 2, 3, 4, 5. Porte. 1, 2, 3, 4, 5. Même qu'à partir du moment où on prend 1, 2, 3, 4, 5, il va. C'est pas un milieu. Pas du tout milieu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, ben ça je me disais. Ici. Milieu là. Ok. Vraiment, fait que ça va te séparer comme ça. Faire les murs. Si toilette des femmes, si toilette des hommes. Pour la toilette des hommes, on va prendre du quartz. On va faire ça, ça, ça comme ça. Ça va être les toilettes. De l'autre côté, on va avoir les urinoirs. Mais j'ai eu ça quand j'ai tellement de trucs dans mon inventaire. Porte, porte. Si on n'a pas fini l'intérieur, on va avoir fait on va avoir voyons, fait la bonne partie. Si je veux juste une poubelle. Une poubelle, on va prendre un entonnoir, écoutez. Rien. Prendre un entonnoir, on va prendre une trappe de boule. Je mets un peu de lumière ici. S'il vous plaît. Hein. Voilà. On va recouvrir le plafond après. Ici, riz noir. Riz noir, oui, riz noir, riz noir. On va faire la même chose que. De même, de même, de même. On va prendre un entonnoir, écoutez. Je sais pas en fait. On pourrait même l'accrocher sur le mur pour faire un peu. Donc là, c'est les urinoirs pour les hommes. Ici. Peux trouver, je dois passer à côté depuis tantôt en fait. Ça m'énerve. Ouais. Je me rends prendre l'eau. Clavier. Ça. Bam bam. Ah, ok. J'ai supprimé le levier évidemment. Ok. Donc, ça va ressembler à ça. Une bête tombe là. On va recouvrir ici. On va laisser pour l'instant le bloc de glowstone pour faire la lumière, puis après ça on fera le circuit de redstone qui va alimenter tout ça. Ah ok. Ici, ça va être du bleu. On va avoir une porte. Comme ça, des panneaux. Ok. Si même chose ici, ça va être du rose. Même qu'on pourrait mettre du magenta parce que c'est pas mal plus beau. Ici. Voilà. Ok. Ici, même chose, ce côté-là, les femmes. J'ai plus de cordes.
Bam, bam, bam. Oh, j'avais fait. Hein. Pour ça, j'avais de la place pour faire une autre toilette ici. Voilà. Ce côté-là. Oh, les miens, ouais. Ça là, ici, attendez. Côté-là, les femmes, ils ont besoin de miroirs. Les femmes, ils ont besoin de miroirs. Donc, on va faire un grand comptoir. On va. Prendre du verre. Et non, attendez. On va prendre de la vitre. Okay, pas mal comme ça. Ils ont leur miroir. Levier. On peut même en mettre un autre ici. Voilà. Ça ressemble à ça. Quand on a fini ici. Non, pas fini, on n'a pas fait le toit. On va la voir les amis, on va la voir. Comme j'ai dit, je veux vraiment finir l'intérieur du McDo. Donc on va essayer de faire ça. Parce que si j'ai pas fini pour l'éclairage, je vais juste vous montrer le résultat final de l'éclairage. Puis vous pourrez faire l'éclairage vous-même. Enfin, votre éclairage vous-même. De toute façon, ça va, c'est pas la restante compliquée. Hein. Ça marche avec un levier. Puis c'est ça. Ça va ressembler à ça pour l'instant. Et c'est ça même. Bon. Là, 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 là. On va faire comme ça. On va reprendre du rouge ici. On va faire un mur ici. Et environ. Jusqu'ici. Jusqu'ici, même, j'irai. Attendez, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ok, mettons. On va prendre du jaune. Parce que. Pourquoi pas. On va dire 1. On va dire 1. Donc, on va le mettre là. On le va le mettre là. Ok, mettons 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, même 6. Je sens ça comme ça. Si ça va être la porte des employés, on va prendre du noir. Fait qu'avoir déjà utilisé du noir, on va réutiliser du noir. Store. Juste là. On va prendre du rouge. On va reculer d'un bloc, on va faire 1 et 2. Puis on va égaliser ça avec celle-là ici. 4, 5. Celle-là. Ouais. Et celle-là, celle-là. On va remonter ça. Je regarde ça de même, c'est pas mal. Ici, on aura des tables. Je vais placer ça là, attendez. Si je veux des tables. Est-ce que je refais des banquettes? Je pense que oui. Je pense que plus de banquettes, ça pourrait être pas mal. Juste recopier tout ça. Voilà. Plus de banquettes, ça pourrait être. Ah non, pas de banquettes alors. Pas de banquette à l'or, pas de banquette à l'or, pas de banquette à l'or. Pas de banquette. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire des petites tables.
On refait ça. Des petites tapes. Prendre du. Tiens, parce que j'aime vraiment le boulot. Ok, on va prendre ça. Bam! Bam! Oh putain, non. Dommage. C'est vraiment des petites tables de toute façon. Voilà. C'est pas mal ça. On va déplacer ça là. Parce que j'ai besoin de cet espace là pour faire d'autres tables. Ici, on va reprendre du bois. On va essayer de garder un peu le design du bois. Ok, mettons, on mettrait siège, siège. Siège. Pourquoi pas des sièges de trop. Non, siège de deux. On va prendre des sièges de deux. On va égaliser ça avec le mur. Donc j'aurai. Plus ça, peut-être. Ça, on va monter de deux. On va reprendre le noir. Camoufler ça ici. Ok. Là, ici, on va prendre des quartz, des escaliers. Ben, des escaliers en quartz. Ok, attends. Un, deux. On va reprendre des tables comme ça. Why not? De même, espace, de même, espace, de même. Maintenant, si on colle les sièges, est-ce qu'on va avoir de la place pour une autre table? Je pense que oui. Ouais. Ah, qu'on colle les sièges. C'est pas mal ça. Ici, ça va être une table des sièges proches de la sortie. C'est pas bien grave. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va avoir assez de tables comme ça. Là, on va pouvoir faire ici le comptoir. Ouais, la caisse plutôt. Pas une. Les deux. Ouais, les tables de cordes. On va reculer d'un bloc. Comme ça. Là en face, je veux qu'il y ait une sorte de fil, on va dire. Magnifique. Place pour faire la file d'attente. Mettons comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis comme ça. Il faut que tu ailles ici pour faire la file pour commander ce que tu veux. Ensuite, on va prendre du blat. On va venir faire un mur ici. Donc, on peut faire une grande porte. Une très grande porte. Voilà, ça va. Le monde de la caisse va être ici. On va faire des caisses enregistreuses, la caisse là. On va faire une là, mais on va faire une là. Non. Là. Là. On va prendre encore du noir, tu sais. Ok. Donc ça, ça a l'air. Ça a l'air de ça. Ça va avoir l'air pas mal, je pense. On va égaliser le mur. Ça. Et ensuite, laissez-moi penser un peu à ça. On arrive ici. Je veux qu'il y ait un autre mur ici. Avec tout ici, ça va être toute la cuisine. J'irai jusqu'à. Quelle okay. Ok, mettons. Non, je suis pas très bien aligné. Ça s'aligne. On va dire là. De toute façon, on va faire des portes pour accéder aux commandes à l'auto. Ok, mettons. Porte, 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 porte. Porte, porte.
Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal du moins. Bon, de quoi ça a l'air? On peut juste fermer le mur un petit peu plus rapidement. World Edit sur console, les amis, ça serait pas mal, hein. On gagnerait tellement du temps. Oh, je viens de smasher mon micro. On gagnerait tellement du temps. Ça peut être pas mal. Commande à l'auto ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je pense qu'on peut fermer ça comme ça ici. Pour une autre porte là. Ouais, je fais ça en rouge. Je tiens à vous le dire, les amis, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Vous pouvez faire votre propre design si vous voulez. Comme moi, à l'intérieur, je vous l'avais dit, il me semble, dans l'autre épisode, c'est à vos risques et périls. Hein? Je suis pas le meilleur pour les intérieurs. Ça pourrait ressembler à ça. De ce côté-là, on a caisse. Non, là, c'est donné. Fait qu'ici, ça va être une caisse. Caisse ici. Bon, on va mettre des boissons en arrière. Comme ça, elle aura pas besoin d'aller l'autre bout chercher les boissons. Et mettons Pepsi, Coca-Cola, Root Beer, Orange Crush. Pepsi, Coca-Cola, Root Beer, Orange Crush. Non, pas de la TNT, hein, on veut pas faire sauter les boissons. Levier, levier, levier. Tu fais ton jus. C'est ton jus. On a oublié de mettre des machines à boissons. Je pense à ça là-bas. On va aller en mettre tout de suite. Est-ce qu'on peut mettre ça? Peut-être. Ici. Ici, ici, ici. On va prendre Dalquard. Recouvrir tout ça. On va faire même de deux. Fait que ici on va avoir Courage Crush, Beer, Coca-Cola. En fait on va les avoir en face ici. Et j'en veux 5. Fait que Courage Crush, puis jus d'arrache. Ça. Ça fait de la boisson. Ensuite. Une poubelle. Pour avoir une poubelle. J'ai oublié de mettre des poubelles à certains endroits. Et voilà. On va en mettre à quelques endroits comme là. On va une poubelle. On va une poubelle qui est par ici, genre là. Parce que... What? Hey. Fait que l'intérieur, ça va avoir l'air de ça. Très bel intérieur jusqu'à maintenant. Mettre une porte en fer ici. Pas accessible à personne, pas aux employés. Les cuisines maintenant. Bon, j'ai jamais été dans les cuisines d'un McDo. Fait que ça risque d'être dur pour faire des cuisines qui ont de l'allure. Fait que on va mettre un mur de faux, je pense. Non, on va mettre 4. On va mettre 4, j'ai dit. Ouais. Bon, pour les cuisines, moi, je vois pas les faire. Vous êtes libre de les faire. Mais moi, vu que j'ai jamais été dans l'arrière d'un McDo, je sais pas du tout c'est quoi les cuisines. Ok, les amis, je vais juste faire l'éclairage. Je vais vous montrer un peu le système après.
Fait que je vais revenir dans quelques instants quand je vais avoir fini justement le système d'éclairage. Ok les amis, fait que j'ai fait l'éclairage de l'intérieur du McDo, fait que c'est pas mal, il y en a beaucoup de lumière, fait que je vais juste lui montrer. Ça allume quand même assez rapidement. Fait que j'ai éclairé pas mal toutes les zones, même ici c'est un petit peu ressorti. C'est un petit peu sombre dans la toilette malheureusement. Mais c'est pas tant grave puisque c'est des toilettes. Fait que je vais vous montrer le système de quoi ça a l'air. J'espère que je pète rien. Ok. Fait que ça a l'air de ça. Beaucoup de lampes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lampes. Beaucoup de redstone. Ben, c'est pas de la redstone compliquée, c'est juste. C'est ça. Tu rallies tout. Je vais juste montrer pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour ici. Péter ça. Fait que dans le fond, en arrière du levier, j'ai mis une torche comme ça. Comme ça, quand tu actives le levier, cette torche-là, elle ferme. Elle allume. Elle éteint. Puis elle allume pour alimenter tout le système redstone. Dans le cas contraire, t'allumes ici. Elle active. Elle désactive celle-là. Qui active celle-là pour désactiver celle-là. Ce qui éteint toutes les lumières. Réactiver la lumière. Puis on va boucher ça. Fait que ça a l'air de ça, c'est pas mal. C'est pas de la redstone compliquée, mais c'est pas mal. Juste fermer ça ici. Ok. Fait que c'est ça pour le McDo, les amis. Fait que on s'est débrouillé pas mal, je pense. Pour McDo, je vais juste. Voyons, changer un petit quelque chose. On va mettre ça ici comme ça. Vous savez, genre les écrans qui. Fermer une des lumières, c'est pas tant grave. Les écrans, d'habitude, il y a comme des menus. Là, on va rajouter de la bouffe, la bouffe. Qu'on avait mis. Qu'est-ce qu'on avait mis? De la viande. Viande, la viande. La viande, la viande, la viande. Rajouter du poisson. Parce que je sais pas s'il y a du poisson là-dedans, mais bon. Whatever. Tarte, on en met. Les pommes, mettez-en. La boisson, ah voilà. Tu veux des œufs? Où sont les œufs? Tu veux des œufs? Tiens, je pense qu'on devrait en avoir assez. Gâteau, cookie. Né, 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 né. Ouais. Fait que voilà. L'intérieur du McDo et le McDo au complet est terminé. On va ressortir, on va faire un dernier look. C'est pas mal, hein? Fait que les amis, si vous avez aimé ce tutoriel de construction sous le McDonald's, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, puis on va avoir beaucoup plus de tutoriels de construction dans le futur. Pour le prochain, je vais faire un vote. Ben, je vais vous demander qu'est-ce qu'on construit. Fait que moi, j'avais pensé à un garage automobile moderne. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre plutôt? Une maison moderne, ou qu'est-ce que j'avais dit là? Une pharmacie. Fait que voilà. Fait que votez dans les commentaires. Sinon, c'est moi qui va décider. C'est pas très grave. De toute façon, les trois vont être construits. C'est juste dans l'ordre qui va être construit. Fait que voilà. Fait que il me semble que j'avais déjà dit blablabla. Ok, c'est pas grave. Je parle beaucoup. Fait que ciao tout le monde, merci d'avoir regardé ce tutoriel de construction, puis au prochain tutoriel. Ciao tout le monde et à la prochaine!